Chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la multiplication et la division et la multiplication des nombres relatifs. Par exemple, moins 6 fois 3, ou bien 3 fois, ou bien 6 fois moins 3, et moins 6 fois moins 3 est égal à quoi? Alors il y a des règles qui contrôlent ces résultats-là. Et bien sûr, la division aussi. Alors, on va voir ensemble ces règles. La première règle, alors on dit le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif. Et voilà un exemple. Moins 3, moins 4 fois moins 3 est égal à plus 12. Et un autre exemple, plus 5 fois plus 3 est égal à plus 15. Voilà. Parce que le résultat est toujours positif. Et un autre exemple, la deuxième règle, le produit de deux nombres de signes contraires, c'est-à-dire un nombre positif et un autre négatif, alors le produit est quoi? Il est toujours négatif, comme moins 5 fois 3 est égal à moins 15, et moins 10 fois plus 7 est égal à moins 70. Et c'est pareil pour la division. Le quotient, au lieu de dire le produit, le quotient de deux nombres de même signe est un nombre positif, comme moins, par exemple, 6 divisé par moins 2. Alors, est égal à quoi? Est égal à 3. Et ici, moins 6 divisé par 2 est égal à moins 3. Alors là, il y a une petite propriété. On dit un produit ne change pas le signe lorsqu'on modifie les facteurs. Par exemple, moins 3 fois 5. Alors ça, il a le même signe que le nombre 5 fois moins 3. On a modifié l'ordre des facteurs, c'est-à-dire le premier facteur était moins 3. Alors, il devient le deuxième facteur ici. Donc, je crois que c'est clair, cet exemple éclaircit les choses. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la multiplication et pour la division. C'est simple. Et on peut ici calculer par exemple moins 3 fois 5 fois moins 2 fois moins 4. Alors d'abord, on contrôle le signe. Il y a un nombre négatif fois un nombre négatif, c'est-à-dire un nombre positif. Et fois un autre nombre négatif, donc un positif fois un négatif, donc résultat, il est négatif. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui, et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Je crois en Allah. Et là, on va se rencontrer.